C'est à l'occasion de la Saint-Sylvestre qu'a eu lieu pour la première fois de la saison à Val d'Isère l'Airstar Nightlight. Illumination, performance avec percussion, violon, DJ, mais aussi sculpture sur glace, sculpture de neige, dégustation de boissons chaudes, déambulation avec le spectacle des enjoliveurs et échassières. Cette Airstar Nightlight a été un franc succès de l'avis de tous. C'est la première fois qu'on séjourne une semaine à Val d'Isère. On envisage même de revenir parce qu'on a trouvé que la semaine était bien agréable. On vient de faire un tour dans les rues, mais on est assez surpris de l'animation. Avec toute cette animation de rue, les personnages en argenté là, qui mettent de l'animation, la musique qui est très festive. Hein. On a été faire un tour du coin de la musique plus moderne où ça remue un peu. Bah, d'une manière générale, toute la semaine, il y avait des animations tous les soirs et ça donne une vie à Val d'Isère. Oui, on s'est éclaté avec le DJ là, c'était ouais. Super. Bonne ambiance. Ouais. On a super bien dansé, super ambiance. Et, ouais. Et d'ailleurs, on reviendra l'année prochaine pour voir. De quoi se mettre dans l'ambiance Saint-Sylvestre et de quoi bien finir cette année 2011. Bonne résolution, bah disons que tout aille mieux dans le meilleur des mondes et tout ce qui se passe actuellement. Au milieu de la crise économique, au milieu de tout ça, que tout aille mieux, si on peut dire, en 2012. Ce serait la terre, disons.